Lord. Nous allons, vous voyez, Madame Simone Evie Gbagbo est bien installée. Nous allons à présent procéder à la prestation de serment de la toute nouvelle présidente du MGC. Je voudrais pour cela appeler au pupitre le doyen d'âge du MGC, le professeur Ngisa Yaotoma. Et je voudrais qu'on le fasse très très fort. Et puis mon professeur d'atomie, d'aquatique, de chimie quantique, on l'appelle savant. On l'appelle très très fort le ministre Ngisa Yaotoma. Il va d'abord, vous voyez bien, une écharpe. Le procès est automatique, donc va tenir le coussin doré avec une écharpe, le livre et le porte-écriteau de prestation de serment. Il s'approche donc de mon évêque qui va s'arrêter. Voyou. Selon les dispositions pertinentes et au nom de toute la famille MGC, je voudrais bien recevoir les gratitudes de ma fonction. Vous la faites, voilà, je rappelle que les journalistes sont là. Ngisa Yaotoma va poser la question fatidique. Camarade président du MGC, au terme de l'article 28 du règlement intérieur, tu me fais de combat. Es-tu prêt à le faire? Ça va dire là. Oui, je le suis. Pourquoi je vais donc se tenir à côté? Elle va prêter serment sur les tests fondamentaux pour le livre. Moi, Simone Evie Gbagbo, devant le peuple militant du mouvement des générations capables et la nation entière,
je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement les textes fondateurs du mouvement des générations capables. D'incarner l'unité du parti et de défendre son intégrité morale et spirituelle. De protéger les droits et les libertés des militants. De remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur du mouvement des générations capables. Que les militants me retirent leur confiance et que je subisse la rigueur des textes que nous nous sommes donnés collectivement en toute conscience si j'ai trahi mon serment. Voilà, c'est donc cette prestation du serment. Elle va regagner sa place. Pendant ce temps, le professeur Guessin Yaouk Thomas va appeler Madame Freddy Nissan. Madame Freddy Nissan. Pour procéder à l'investiture de la présidence. Elle veut donc aider à trois fois Madame Simone Lévy Gabeau, présidente du HSC, à ce soir. Bonjour. Mais on t'a dit qu'il faut que tu te défends, ça veut dire quoi? Je ne me défends pas, vous aimez trop ça. Vous aussi, vous aimez trop ça. Attends, on l'a tiré sur la page de la vieille. Vous venez, vous faites des fois comme ça. Je suis désolé, c'est pas le problème. Il faut la laisser, laisse la faire ce qu'elle veut. Vous aimez trop ça. Vous n'avez pas besoin de. Voilà la entrée de bannière qui est accompagnée par la part. Vous voyez dès le tour du Ivoirien et... Thank you.
Le président de l'AGE, Madame Béa Ben. Mesdames et messieurs, militantes et militants du MGC, à présent nous allons apporter l'investiture. Alors, mesdames et messieurs, camarade présidente du MGC, conformément à l'article 44 des statuts, la direction nationale du parti est l'organe exécutif du parti. Elle est garante de la ligne politique du MGC. Elle exécute et fait exécuter les décisions et les résolutions du Congrès, de la Convention et du Conseil des représentations nationales. Elle noue et défait les alliances après approbation du Conseil des représentations nationales. L'article 31 du règlement intérieur stipule que les membres de la direction nationale du parti sont tenus à l'obligation de réserve et de discrétion. Ainsi donc, camarade président du parti, conformément à l'article 42 des statuts, m'autorises-tu à donner lecture de la décision de nomination du secrétaire général
administrateur au quotidien du parti. Autorisation accordée. Décision numéro 001-22-2022, PPMGC, portant nomination du secrétaire général du mouvement des générations capables. Le président du parti. Vu la constitution de la République de Côte d'Ivoire, vu la loi numéro 93-668 du 9 août 1993, relative aux partis et groupements politiques. Vu les résolutions de la première Assemblée générale extraordinaire des 19 et 20 août 2022, vu les statuts et règlements intérieurs du mouvement des générations capables, vu les nécessités de service, décide, à titre premier, est nommé secrétaire général du mouvement des générations capables, Monsieur Nguessa Labri Nicolas. Monsieur Nguessa Labri Nicolas, tout premier secrétaire général du NGC de la Génération Capable. Article 2. La présente décision prend effet à compter de la prise de service de l'intéressé sera publiée partout où besoin sera. À Abidjan, le 20 août 2022. La présidente du parti, Madame Simone Eibé Bagbo. Elle va se lever pour remettre les charges au secrétaire général et le saluer. Le secrétaire général, voici donc votre lettre de mission et que le Seigneur vous bénisse. Devant les caméras, les deux reposés devant les caméras. On les ovationne très fort. Voilà. Le nouveau secrétaire général va à présent s'approcher du public et faire lecture de la décision de nomination des membres de la direction nationale du parti. On l'écoute, Monsieur Labri Nguessa Nicolas. Décision numéro 002-2022, PPMGC, portant nomination des vice-présidents du mouvement des générations capables. Le président du parti, vu la constitution de la République de Côte d'Ivoire, vu la loi numéro 93-668 du 9 août 1993, relative aux partis et groupements politiques, vu les résolutions de la première Assemblée générale extraordinaire du 19 et 20 août 2022, vu les statuts et les règlements intérieurs du mouvement des générations capables, vu les nécessités des services, décide. Article 1er. Sont nommés aux fonctions ci-après les personnalités dont les noms suivent. Premier vice-président chargé de la communication, porte-parole du parti, Traoré Dominique. Le Traoré Dominique, qui a présenté l'exposé général, le vice-président du NGC chargé de la communication et porte-parole du mouvement des générations capables. Deuxième vice-président, coordonnateur général de la vie du parti,
Tapé Kipré. Tapé Kipré. C'est un commentateur. Troisième vice président, coordonnateur général de la promotion des valeurs et transformation des mentalités, Crédit Marie Claude et pour Yessa. Madame Crédit Marie Claude et pour Yessa. Troisième vice président, coordonnateur général du développement, Zoro Bi-Irie Assen. Monsieur Zoro Bi-Irie Assen, quatrième vice président. Dixième vice président chargé des relations internationales, Kofi Charles. Monsieur Kofi Charles. Septième vice-président. Septième vice-président chargé de la politique financière et de la mobilisation, Madi Wabré. Huitième vice-président chargé du développement général et perspective d'avenir. Conseil de saint Yao Thomas. Neuvième vice-président chargé des relations avec les élus locaux et nationaux et les institutions, Kwame Sekré Richard. Dixième vice-président chargé de la défense et de la sécurité, colonel Robert. Deuxième vice-président chargé de la politique de solidarité, Madame Oji Trotik. Douzième vice-président chargé des questions juridiques, Maître Dadié Rodrigue. Deuxième vice-président chargé. Chargé des alliances politiques, Madame Pouété. En mission. 14e vice-président chargé de la révolution scientifique et technologique et du développement durable, Traoré Mohamed. 15e vice-président chargé de la justice, des libertés et de l'égalité, Madame Assis Marie Hortense. 16e vice-président chargé de l'administration, le micro. 16e vice-président chargé de l'administration du Conseil des représentations nationales, Balobi Jonas. Je voudrais m'excuser pour le saut. Le cinquième vice-président chargé de la récupération, Kofi Nazar. Voyou. Septième vice-président chargé de l'éducation et du perfectionnement du militant et du citoyen, Bli Kwame Jonas. Thank you.
attend. Qui remet les lettres de mission à chaque membre de la direction nationale du parti. Et je vais remercier de l'eau. Je voudrais demander au protocole de... Parce que les caméramans nous prennent les images. On va se construire. Le désastre, c'est pas les mouilles. Ils vont à présent poser devant le professeur. Dingo. J'observe que la communication arrache la première vice-présidence dans ce nouveau parti. Le peu d'honneur que j'ai ici, c'est parce que je suis capable. Ils vont à présent poser devant la caméra, voilà. Le protocole peut se retirer un peu. Non, maman, non, maman, non. Une photo, avec la vice-présidente. La présidente va se rassembler. Le secrétaire général a quitté la scène avec les membres de son équipe. Le protocole va donc ramener le petit. Je pense que ça peut rester là. Bon, je vais monter. Nous continuons avec les vice-présidents. Ok. Vice-président chargé du district d'Abidjan, demandeur Mami. Vice-président chargé du district de Yamoussoukro, Kwame Antoine. Vice-président chargé du district de la Komoué, Akoyi Kaku Irotan. Vice-président chargé du district de Dengele, Kone Fatou. Vice-président chargé du district de Côte d'Ivoire, Bedi Oli. Vice-président chargé du district de Lagune, Akpa Corentin. Vice-président chargé du district de Montagne, Koya Monseya Ben.
Sandra Marawe, Kata Keke Joseph. Il est en mission sur place. Vice-président chargé du district de Savane, Ouattara Colette, épouse Colé. Vice-président chargé du district de Bassandra, Palou Anité. Vice-président chargé du district de la vallée du Bandama, Conan Paul Didier. Vice-président chargé du district de Woroba, Kofana Youssouf. Vice-président chargé du district de Zanzan, Zoro René. Vice-président chargé de la diaspora, Claude Koudou. Article 2, le secrétaire général du parti est chargé de l'exécution de la présente décision qui prend effet à côté de la date de signature et sera publiée partout où le vote sera. Fait à Abidjan le 20 août 2022, la présidente Simone Eyibé Bamou. La présidente, donc, qui va remettre à chacun de ses vice-présidents opérationnels. Donc vous avez bien compris qu'après les vice-présidents techniques, il y a les vice-présidents qui sont sur le terrain, qui reçoivent à présent leur lettre de mission des mains de la présidente du MGC. Écoutez donc, le pasteur G, le nouveau vice-président. Voilà. Tout, la décision numéro 3
2022, PPMGC, portant nomination des conseillers scientifiques, des secrétaires généraux adjoints, des coordonnateurs généraux adjoints, des coordonnateurs de région, des secrétaires nationaux techniques du mouvement des générations capables. Sont nommés aux fonctions qui, après les personnalités de l'honneur suivre, conseiller scientifique, président du conseil Zorobi Kiri Hachem, vice-président du conseil Kakou Dach Ebda, secrétaire général Duit Kédé Georges, secrétaire général adjoint Thiabé Jean-Marie, conseiller spécial chargé de l'agronomie et des ressources naturelles Amangwa Nobu Ferdinand, conseiller spécial chargé de l'administration Bayero Bobuso Gilles, conseiller spécial chargé de l'économie et finances, Bramo Kwadio Emmanuel, conseiller spécial chargé de l'éducation et de la formation Tra Eric Joris, conseiller spécial chargé de l'environnement et climat, Atier Liaison Firmin, conseiller spécial chargé de l'homme et de la société, Koulibaly Massamé, conseiller spécial chargé de lettres et à Mboua, Madame Mboua Aguer Aye Clarisse. Elle est en mission en Suisse, c'est là qu'elle demeure. Conseiller spécial chargé de la santé, professeur Basile Bourgois Casimir. Conseiller spécial chargé de la science, de la technologie et des innovations, Conan Bou Roger. Membre du conseil, Kakou Abodjaï Selak, c'est là. Membre du conseil, Adou Amadou Ouattara. Membre du conseil, Thierry Dertin. Membre du conseil, Claro Dominique. Membre du conseil, Balou Guy Toto Jérôme. Membre du conseil, Ake Yuan Guy. Membre du conseil, Timité Souleman. Membre du conseil, Secret Kobena Modeste. Membre du conseil Kwasi Arsène Edmond, membre du conseil Koulibaly Sifolo Seidou, membre du conseil Takou Solange, membre du conseil Obou Olivier, membre du conseil Nobou Robert, membre du conseil Douré Benoît, membre du conseil Ekra Nanan Basilika, membre du conseil enfin Efebi Coco Rose. Les égards n'ont pas mort, mais ça pose du plaisir. Vous vous posez des questions ?
national du parti, il y a le conseil politique, ceux qui sont chargés de conseiller la présidente du MGP, une seule fonction conseil politique. Les personnalités dont les noms suivent sont nommés conseillers politiques. Yao Yao Jules. Basumoko. Betty Oli. C'est toi, Nicolas. Rokia Kwaku. Wow.
Dominique. Le secrétaire général adjoint chargé de la gestion de l'agenda, Manu Padio Armand Arnaud. Huitième secrétaire général adjoint chargé de la relation publique, Jean-Lou Bene Epouse Mozan. Troisième secrétaire général adjoint chargé des moyens généraux, Nyoko Franck Zoko. Dixième secrétaire général adjoint chargé de la solidarité et des services aux militants, Beugre Job. Onzième secrétaire général adjoint chargé de l'archive, Macha Hachi Rodine. Douzième secrétaire général adjoint chargé des publications, Tairo. Treizième secrétaire général adjoint chargé de l'administration, enfin, Kambou. Depuis Talitra. Adjoint. Ordonnateur général adjoint chargé des rédactions, Baïm Tra. Ordonnateur général adjoint chargé de l'administration de la défense et de la sécurité, Bayro Bomito Gilles. Ordonnateur général adjoint chargé de l'économie, Kwadio Kramo Emmanuel. Ordonnateur général adjoint chargé du développement durable, Yoko Kré Didier Gérard. Ordonnateur général adjoint chargé de l'action sociale, Dr Amadou Batra. Ordonnateur général adjoint chargé des arts et culture, Umboa Aguer Aye, Clarisse. Ordonnateur général adjoint chargé de la promotion des valeurs et du nouveau. Les citoyens nouveaux, Bintou Ouattara, oui. Le Kwame Yaba Rachel, coordonnateur général chargé des organisations de la société civile, Roger Conan Langui, coordonnateur général adjoint chargé de la coopération professionnelle, Denis Poissy, coordonnateur général adjoint chargé des femmes du MGC, Madame Timélé. Coordonnateur général adjoint chargé des jeunes du MGC, Joël Lété. Le responsable de l'Académie du Parti. Thank you.